Salut à tous, c'est DarkPlugJet et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais cette fois-ci sur Far Cry 3. Donc moi je vais bien, j'espère que vous aussi ça va bien. Et dans cette petite vidéo très simple de Far Cry 3, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il est génial, j'espère pour vous que vous allez adorer ce jeu parce qu'il est génial. Moi en attendant j'ai adoré, donc voilà quoi, j'ai rien à rajouter. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo que je vais vous faire, alors plusieurs choses sont au programme, excusez-moi. Donc vous voyez que dans la carte, voilà, j'ai tout ça. Nous allons aller libérer un camp. Nous allons découvrir avec un pylône radio une nouvelle carte. On va faire une mission. Et on fera une partie de chasse. Donc là, on a un quad. Et j'ai vu quelque chose de bizarre justement avant de faire la vidéo. J'ai cru voir c'est une plage quand j'ai libéré ce pylône. Ah voilà. Une plage. Avec des ennemis. Évidemment. Ce serait pas drôle sinon. Alors vous voyez qu'un objectif c'est apporter le couteau à Citra. C'est un couteau légendaire qu'on doit porter à une fille un peu bizarre. Mais je vais pas vous spoiler, je vais rien vous dire. Attendez, vous allez me dire qu'il y a personne ici là. Viande de chien. Ok, les mecs ils mangent des chiens. Oh bah zut, y a pas d'ennemis. J'ai un peu le seum là. Bon, un zodiaque. Ça me fera un petit truc. Ouais, juste pour faire ça en fait. Oh génial le véhicule. Oh génial, je l'avais encore jamais testé celui-là. Alors là, on a nos alliés, les Rakiat. Bon, je récupère des trucs sur les morts aussi, même mes alliés. Hein. Alors on va faire une mission ravitaillement. Je l'avais pas prévu au programme, mais ça va être bien. Donc amener le matériel médical de ce véhicule à la fusée éclairante avant la fin du temps imparti. 225$ et 250 d'XP. Ok. Alors est-ce que c'est dur à piloter cet engin? C'est pas trop dur. Voilà. Ouh, wow, yeah. Je vous promets c'est dur. C'est moins dur que le quad. Parce que le quad c'est vraiment l'engin le plus dur à manier. Alors bon. Ah bon, on en a écrasé un. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Non. Mais dégage. C'est pas drôle. Ils cassent tous ces mecs là. J'en écrase plusieurs sans vouloir. Faut que je fasse des missions pour en écraser plein. C'est dégueulasse. Bon. Mission ravitaillement. On va faire un truc propre. Voilà. On a fait une mission. Donc après, est-ce que il y a du sang? Même pas. Alors sur ma carte, je vois qu'il y a un coffre. Voilà, un conteneur plutôt. Là-bas, c'est pareil. Il y a un truc. Je sais pas si c'est dans l'eau ou en dessous. Ah voilà, c'est en dessous. Alors dans ce jeu-là, il y a un truc qui me fait vachement flipper. C'est pas de nager avec les requins. Déjà que les requins, perso, je sais pas, j'ai pas peur dans Far Cry. C'est un truc qui me fait plus peur, c'est les crocodiles. Alors les crocodiles, me demandez pas pourquoi. Les requins, j'ai nagé avec eux, j'ai amélioré mon truc, mettre plein d'armes au maximum. Ah, là, il y en a qui se battent, si, là. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Il va faire un truc bien. Ah zut, j'ai foiré mon truc bien. Bon, est-ce que lui on peut le faire à votre avis? Ouais. C'est marrant de voir ça là. C'est le couteau qui traverse. Donc, ah, un commodo. Non mais très commun avec le couteau là. Ironie du sort, ces deux mecs se battent avec des Rakiat. Je viens... Zut, ah, j'ai fait une bêtise. Mon arc, il est beaucoup mieux que ça.
Je les sauve et ils se font tuer par un Komodo. Oui, je sais. Mais dans le jeu là, moi je vous dis, j'adore. Parce que dans ce jeu, vous faites tout ce que vous voulez. En fait, bah... C'est un GTA, mais... Ah, mon sac est plein. Ouais. C'est un peu le défaut de ce jeu, vous récupérez plein de trucs et pour vider, c'est pas évident. Alors j'adore voler leur voiture, me demandez pas pourquoi. Et au passage, connard. Il est mort. Il est mort. Bon, ce qu'on va faire c'est... Oui, bon, on va aller libérer ce camp. Je le marque. On libère ce camp et bah voilà quoi, on va libérer ce camp, comme ça je pourrais vider mon sac. Alors ce jeu est franchement magnifique. Regardez-moi les graphismes. Le graphisme, le graphique, je sais pas. Voilà, quand vous mangez un arbre à cause de quelqu'un d'autre, ça vous met le truc. Alors que ce jeu là, une fois que vous savez conduire, c'est magnifique, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Ironie du sort, il faut encore traverser ça. Ah, il y a des ennemis là-haut. On va aller leur dire bonjour. Alors, quelle arme prendre? J'y vais avec mon silencieux. Toi, tu meurs. Ouah, le bug. Bon, me demandez pas pourquoi ils ont attaqué. En général, ils s'attaquent que quand ils se voient. Bon, je vais avoir beaucoup plus de d'argent et tout. Je vais être un peu bugué. Donc, bah, on va aller libérer le camp. C'est tout. Hein. Allez, sans se faire mal. Oui, excusez-moi, ouais. Ouais. Tac, toi tu meurs. Le suivant, le v'là. Donc excusez-moi pour ce petit blanc ou si vous avez entendu quelqu'un d'autre. Hein. Tandis que c'est l'hiver, bah, voilà, ma mère me proposait de mâcher quelque chose pour ne plus avoir froid. Alors, je vous ai peut-être pas montré mes armes. On va faire ça tout de suite. Alors, et vous avez vu mon arc. Vous allez voir mon fusil à pompe. Et vous allez voir mon snipe. Ils sont où? Le snipe sur lequel j'ai mis un silencieux pour attaquer les camps. Plus discrètement. Bon, il y avait un ennemi, il a disparu. Me demandez pas pourquoi. Je ne saurais vous répondre. Alors pour ceux qui galéraient comme moi au départ, ceux qui ont déjà joué, ceux qui ont galéré à trouver d'abord pour les armes, comment on faisait pour avoir les deux armes d'un coup, vous savez, à changer, et dès que vous avez trois armes, il fallait faire L2, choisir son arme. Par exemple, je veux avoir comme arme mon snipe et mon fusil à pompe. Il faut faire le snipe, vous allez voir que mon autre arme elle est descendue là, et quand je suis ici, je prends mon fusil à pompe, vous faites triangle, et vous avez votre fusil qui est là. Donc je reviens à mon arc et après je fais mitraillette. Alors ça c'est pareil pour le C4 et les mines. Hein. Donc ouais, j'ai pas trop confiance. Sinon les animations sont bien, à part le fait que vous vous piquiez tout le temps pour vous soigner. Hein. Il y a des animations qui sont quand même bien faites. Aïe, zut, alors on va faire quelque chose d'utile. Dans confection, médicale. Et au max, autant que je puisse en faire. Bon, le camp est là-bas. Alors vous allez voir, je suis une tête cramée. Allez bien, je fais ça. On est d'accord. Oui, là il y a un requin. On va nager et on va essayer de pas se faire choper par le requin. Ok, on tente. On peut le faire. Et puis si on se fait attaquer, ça. Ça me fera découvrir comment ça se fait parce que
l'animation de quand on se bat contre un requin, parce que personnellement je n'ai encore jamais été attaqué par un requin. Attends, je vais vers lui et là il m'a vu. Il m'a vu. Regardez-moi ça, il vient pas vers moi. Bon, on va le laisser, j'ai pas trop envie de découvrir comment ça se fait. Quand s'attaquer par un requin. Bon, avec une petite piqûre pour avoir la vie au max. On récupère ça. Les feuilles vertes. Alors, là il y a un camp. Hop les. Oh la vache. Léopard. Ouais, ils sont beaux les léopards dans le jeu là, c'est dingue. Franchement, je kiffe. C'est. Ils sont trop beaux, franchement, les léopards. Regardez-moi ça. Alors, ce léopard, c'est le deuxième que je trouve dans tout le jeu. C'est le deuxième parce que je suis pas un grand chasseur, si vous voulez. Alors, là, on récupère que l'argent. Alors, une relique. Ah, voilà. Alors il y a trois types de reliques dans le jeu là. C'est les reliques sangliers. Alors elles, pour les avoir, il faut exposer des trucs, faire des trucs difficiles, des mouvements des fois. Le héron, il faut faire des actions agiles, d'agilité. Vous avez celui du requin. Alors celui-là c'est plus dur à choper parce que ils sont dans l'eau. Oui, ils sont dans l'eau les reliques. Ah, un jet ski. Youhou, regardez bien. Et j'adore finir comme ça, sur les cailloux. Ok. Ok, le camp est juste là en fait. J'avais pas fait gaffe. Là, vous savez quoi? Aïe, et puis en plus, il y en a qui se baladent. Appareil photo, on va les marquer. Alors, quand c'est un éclair, c'est-à-dire que c'est des fusils à pompe. Là-bas, ils m'ont pas vu. J'ai eu de la chance. Parce qu'ils m'auraient vu. Oh, ça là-bas. Tac. Alors, lui, je dis ça va être normal. Ouais. Ah, voilà, il y en a un autre là-bas, là. Alors on va prendre notre C4. Alors pour eux qui me voient pas. Il m'a pas vu. J'ai envie de le faire exploser. Hop, on attaque. Toi tu meurs. L'alarme. L'alarme elle est où? Où quelle est l'alarme? Ouais, il est sur le toit le dernier. Ah bah non, il est descendu. C'est la fin ou il en reste un? Ouais non, il n'y en a plus. Et voilà. Alors là j'ai innové, j'ai libéré un camp, excusez-moi, avec le C4. Je suis pas un accro du C4. Wow. Je suis qu'à mon 10e avant-poste libéré. Alors eux là, respect, bravo là. Eux, pas plus discret qu'eux, y a pas. Alors là, on a une mission wanted. On va aller la faire. Alors ces missions là, il faut tuer des ennemis quoi, comme d'hab. Hein. Sauf qu'ils ont des. Si vous voulez, on a l'ennemi du jeu qui s'appelle Vas, pour ceux qui le connaissent pas. Et il a des bras droits, si vous voulez, des chefs, des sous-chefs. Et eux, bah, ils nous font chier, on va dire. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous devez les tuer. Oui, vous devez tuer des mini-chefs à la méthode Rakiat, c'est-à-dire au couteau. C'est pas du. Oh zut, mon portefeuille est plein. Munitions, on va faire ça au max. Est-ce que je peux pas
Ouais, le F1. Je vais acheter des trucs, je suis désolé, j'ai trop d'argent. Alors je vais pas l'équiper hein. J'ai le F1, je vais, il est très beau mais je vais pas le mettre. C'est juste histoire de dépenser de l'argent. Vous allez vous dire mais il est con ce mec. Ouais, mais quand vous avez un petit porte-monnaie, que vous avez des bonnes armes. Alors cette arme là là. Ah non, ça j'ai déjà. La STGW90, ma première arme que j'ai améliorée et tout. Je peux vous dire franchement. Alors là, mon sac, vous voyez que j'ai quand même vendu pas mal de trucs. Et après, vous avez tellement de feuilles et de peau que vous êtes emmerdé carrément. Vous avez trop de trucs. Alors, peau de buffle, j'en ai plus besoin. Ça me sert à rien. Peau de tapir, je peux vendre aussi. Casoar, je peux vendre. Peau de chèvre, j'ai plus besoin de chèvre. Les dingos, je peux les vendre. Sanglier, on peut vendre. Alors les peaux de chien, comment c'est embêtant des fois. Là c'est une peau de Komodo que je viens de vendre. Des ours, non. Peau de buffle. Parce que en fait, moi, mon problème avec ce jeu qui est quand même très bien, c'est que voilà, en fait, vous avez une compétence qui a double tranchant. Alors vous avez une compétence double tranchant, quand je dis ça, c'est bien, je vais vous montrer, je vais voir enfin si je peux pas améliorer un truc. Voilà, j'ai un point de compétence et vous avez deux compétences qui sont... Alors vous avez le héron, c'est élimination à distance et mobilité. Le requin, c'est élimination, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, d'assaut et soin. Et vous avez l'araignée, élimination furtive et survie. Alors dedans, vous avez un truc qui est bien, mais qui a double tranchant, c'est horticulture 101, obtenez une récolte doublée sur les plantes. Et vous avez zoologie 101, récupérer deux fois plus d'objets en épaisant les animaux. C'est pratique, des fois je vous dis pas à quel point. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Tireur de l'extrême, on va apprendre. Je voyais pas trop quoi mettre, mais bon. Alors des fois vous avez une petite animation, voilà, comme ça. Je vous montre votre bras qui est tatou... Toi... Ah, excusez-moi. Tatoué à mort. Donc maintenant on va aller faire cette petite mission qu'on s'est imposée hein. Oui. Voilà, j'ai pris mon arc, vous allez voir que quand je fais un triangle j'ai encore mon C4. Alors au départ moi j'étais comme un galérien, je gueule dans tous les sens, je sais ouais c'est le bordel ce truc, on peut rien faire, c'est pas jouable. Des fois aussi ce jeu on dirait Dead Island. Vous avez des corps comme ça dans tous les sens, là, celui-là là. Je vous le montre. Je vais le fouiller d'ailleurs. On peut pas. Il y a quand même un qui a marché dedans. Et en plus il était bandé. Ouais bon. Et de l'autre côté, je vais pas m'amuser à nager et rencontrer des requins. Surtout que. Il y en a un là-bas là. Je le vois d'ici. Ouhou. Attendez, rassurez-moi, c'est pas un mec là qui est. Je me demande si j'ai pas écrasé quelque... Ah, il y avait un jet ski, c'est ça que j'ai vu. Regardez bien, comment c'est trop pas intelligent des fois. C'est vrai que ça peut être pratique de faire ça. Perso, je vois pas l'utilité. Alors, on est à 300 mètres de notre cible. On va zoomer, essayer de zoomer. Olé. J'aime pas ce truc là où on se trouve. Je crois qu'on va avoir des ennemis, un truc comme ça, et on va se faire. Oui, bah tiens. Je me demande si c'est pas le camp où on se trouvait tout à l'heure. Parce qu'ils sont que deux en fait. Toi tu m'as entendu mais tu m'as pas vu. Et t'es mort juste après. Alors on va essayer de... Maintenant qu'on sait qu'on est tout seul sur ce truc. Sur ce petit camp à moitié tout pourri, tout explosé.
me demandez pas pourquoi je n'ai absolument rien fait. Quoique, peut-être que si en fait. Bon bref. Donc après on va essayer de trouver un camp. Que je regarde sur la carte vite fait. Là on a un mec à tuer là. Ah, excusez-moi, voilà, tac. Le tif en cours, on va aller. On va aller libérer ce truc là, là, le pylône radio. Comme ça, après, bah, on sera tranquille et on pourra faire nos petites affaires de chasse et tout. Alors je vais essayer de vous faire une vidéo de chasse en même temps. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu à quel point je chassais bien le léopard à la MP7 en silencieux. Non, MP5. Excusez-moi. MP5, oui, pour ceux qui connaissent bien. Donc voilà, là on est dans la zone. Les mecs sont tout en haut. Histoire de bien nous faire chier. On y va assis. Regardez à quel point ils m'aiment. Des chiens. Là, il y en a un autre. Là, il n'y a personne. Ah, voilà le chef. Qui branle rien. Vous savez, le gros porc là, qui est sur sa chaise, qui domine tout le monde et qui fait toi, tu feras ci, ça, 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 ça. Et pendant ce temps, moi, je fais rien. Alors, on va le tuer en premier. Bon, et hop, toi t'es mort. Oui, discret, hein, vous avez vu à quel point. Oh, ils m'ont filé un diamant africain. Perso, je sais pas dans quel site ça se passe le truc. Ça doit être genre Nouvelle-Zélande et tout, avec les Maoris. Eh mec, t'es où? Ah, t'es. Fuck, t'es où? Merde, il est où? Il a bugué comme l'autre? Ah non. Alors, ce qui est chiant dans le jeu, c'est qu'on peut pas s'allonger. Alors, ah, exactement ce que je voulais. Oh, génial en plus, un animal rare. Alors, une panthère noire a tué un chasseur du coin. Abattez-la avec l'arc fourni à l'emplacement spécifié. Bon, chasse à la panthère. Alors des amis m'ont dit qu'ils avaient chassé la panthère. Ils m'ont dit avec l'arc. C'est galère. Alors c'est bien pour y aller, vous allez découvrir le deltaplane. Attention. Et on décolle. En fait on va juste là. Fuck. Aïe. Aïe 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 aïe. Oui, pas doué. Pas doué, j'ai fait un saut je sais pas, j'ai fait un truc bizarre. Bon, en même temps j'aurais peut-être dû faire gaffe qu'en décollant c'était juste derrière un canon. Mais le jeu il se... Ouah, genre maintenant on a tout l'autre bout. Il y a plus de 1000 mètres. Alors attends. Ça, ça nous arrange. Allez rapidement à cet endroit là. Pardon, on garde du temps. On gagne du temps, excusez-moi, pour la vidéo. Pour pas vous faire une vidéo trop longue. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'un bout de mission à faire et aller retirer un pylône. Enfin, retirer, vous m'avez compris. Aïe, j'aime pas cet endroit. Me demandez pas pourquoi, je l'aime pas, c'est tout. Et puis comme par hasard on vous dit ouais, va chasser une panthère noire, l'animal le plus dur. Enfin un des animaux les plus durs. Attends. Non, me dites pas que vous m'avez fait ça. Eh ben si, ils me l'ont fait. Eh bien que si, ils me l'ont fait. Je me suis dit ouais, objectif en cours. Je pensais qu'ils avaient gardé la mission de la panthère. Non, non, ils ont retiré la mission de la panthère. Donc on est obligé de retourner
On était plus par là, hein. Vous savez quoi? On va juste aller ici, là. On va récupérer la voie du chasseur, là, ici, là. Quête voie du chasseur, voilà. On va aller à cet endroit-là, on va récupérer cette quête-là. Alors après, l'animal, j'en sais rien du tout. Surprise. Surprise, surprise, surprise. Bon, en même temps, on va racheter des munitions. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Ouais, des cartes et de la coke. Ce qui est marrant, c'est que la coke, elle se vend quoi? 20$. Un truc comme ça. Ah, voilà. Alors ici, c'est un animal rare. Je crois que c'est un tigre. Non, non, une carcasse de Komodo de sang. Les Komodo de sang, c'est aussi des teignes. Ouais, genre j'ai sauté et il tombe tout seul. Vous sautez et vous faites ça, vous? Ouais, j'ai perdu de la vie bêtement là. Allez hop, deux seringues. Non, mauvaise touche. Confection. Heureusement que il y a ça, parce que des fois je sais pas qu'est-ce que je ferais. Hein. Oh, mais bien sûr. Eh, marrant, c'est le même arc. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 36 arcs non plus dans le jeu là. Alors, attendez. Un smartphone dans une caisse en bois. Alors, on va aller en hauteur parce que on sait jamais. Bah, tiens. Je crois que c'est lui en plus. Ah bah si je le rate. Ah non, l'animal rare doit être tué, donc c'était pas celui-là. Ah, c'est celui-là qui est tout là-bas, là, le rouge. Touché. Aïe, zut, il s'est barré, ce connard. Il est là-bas, attendez. Non. Regardez-moi ça. Il s'est barré tout à l'autre bout. Tac. Alors, on le dépasse à... On le dépasse. Dépaisse, ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Avant que les autres ne rappliquent. Alors, je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait un gore à voir. Oui. Dégage. Bon. Fail. On a récupéré le truc. Alors, j'ai vu un truc bizarre. Oh non. Ils ont tué un mec. Rassurez-moi, c'est pas le mec qui doit me donner mon argent à la fin. Enfin, vous m'avez compris, hein. Et attendez. Confection. Je peux maintenant créer un truc. Enfin, normalement. Sacoche de projectiles améliorée. Ah, ah, ah. 12 grenades et tout. Ça peut être pratique. Et hop, des munitions pour mon arc. Alors, on va prendre une vieille voiture et on va aller. On va aller où? Ouais, vous savez ce qu'on va faire? On va aller libérer ce pylône. Et on va aller là, au temple de machin, pour faire moins de temps encore. Donc comme ça la vidéo devrait pas dépasser les 40 minutes. Normalement, je dis bien normalement, à vue d'oeil, elle devrait pas. Donc après, si elle fait, je m'en excuse complètement. Et il n'y a pas de voiture. Ah si, il y a quad. Le véhicule le plus dur à contrôler du jeu. Ce jeu, vous avez je sais pas combien de missions.
où il faut apporter bah, comme tout à l'heure, que l'espèce de buggy là sur la plage où j'écrasais des gens sans le vouloir. Enfin, un petit peu, j'avais envie, c'était marrant. Voilà, le quad, c'est, je vous promets, c'est dur à utiliser. Qu'est-ce qui me fait? Oh là là, c'est une maniabilité, je ne vous dis même pas. Autant le quad sur Battlefield 3, sur les maps, pour ceux qui ont les nouvelles maps, moi je sais, je les ai, donc après je peux parler sur ça. Parce que les gens qui parlent d'un jeu ou quelque chose alors qu'ils l'ont jamais fait, moi je dis voilà. Encore voilà, j'aurais pas eu Battlefield 3, j'aurais pas joué avec le quad vite fait. Je ne devrais pas pouvoir dire que ça, mais étant donné que j'ai Battlefield 3, que je suis premium et que j'ai des maps, je peux dire que ce jeu, quand vous êtes non ennemi ou allié, ennemi, les voitures qui me plaît, on va aller faire un truc. Regardez bien, voiture Playmobil en approche. Wow, mais bien sûr toi là-bas. Il fait des bruits bizarres. Non. C'est quoi ça? Oups. Bon, maintenant je vais avoir l'air d'un con, je dois garder mon quad. Est-ce que tu crois que je peux quand même... Si, je peux quand même rouler. Tu vas faire des trucs bizarres. Attendez, j'ai roulé sur une tortue. Oups. J'adore la chasse comme ça. Vous roulez, vous écrasez des animaux, ils ont pas le temps de dire ouf. Ok. Je vais descendre, on va rien voir en plus. Vous avez vu comme je conduisais très très bien. On va dire vous avez rien vu. Alors mes armes favorites, vous avez vu, hein, c'est ce que je porte sur moi. Ce que j'adore utiliser par-dessus tout, c'est le... C'est la MP7 et l'arc, surtout l'arc. C'est vraiment un truc génial. Alors là, on a de la chance, on a une voiture. Arrête-toi, j'ai même pas quoi démarrer. Comment ça c'est fermé? Comment ça c'est fermé? Je vais voir si c'est fermé. Non. Ah juste j'ai voulu faire une... Bon. Vous avez vu que là il y a... des petits bugs, on reprend la voiture et voilà, on roule derrière, on va prendre la voiture et on va aller sur le pylône. Ah mais comment je suis trop aimé moi. Je sais pas si j'en ai eu un. En tout cas lui il est mort. Même pas. Il m'a mis par terre lui. T'es mort ou t'es pas mort? Bon, voilà, problème résolu. Mais bien sûr. Ah, dans la gorge, le... gorge. Chasse à l'ours. Oups. Ta gueule. Je crois qu'il va me... Que trois flèches. C'est une blague. Trois flèches. On va dire qu'il a dû se faire tirer dessus avant, parce qu'en général c'est pas trois flèches qu'il faut mettre, c'est au moins un peu plus. Donc on va récupérer leur voiture. Hein. Alors là on est en territoire ennemi, hein, vous l'aurez sûrement remarqué. Il a allumé les phares. Génial, une route. Et ben voilà, on va y aller. Ouais, j'ai pas chanté, j'arrête. Je m'en excuse. Bon voilà, on roule, hein. Y a rien d'autre à faire, hein. Je vais pas... Vous voulez qu'on fasse quoi? Perso, je me fais chier en voiture.
Là, il y a une roue. Et aussi, j'ai testé le mode coop avec un ami. Franchement, ce jeu, ils ont tout fait. Ils ont pensé à une histoire quand vous êtes tout seul et une histoire quand vous êtes avec un coéquipier. C'est franchement magnifique. Alors, j'ai pas été plus loin que la mission 2 parce que ma manette elle a fait un bug. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas du tout c'était quoi le bug. C'était un bug assez bizarre de. Quand je tirais en tout cas. Ça bloquait le pad en fait. Donc je tirais en continu, je pouvais pas stopper. Alors les tours la radio qu'il faut. Il faut les débloquer on va dire. Vous avez des brouilleurs que votre ennemi a mis pour repérer et faire ses trafics d'armes. Alors à vous. Non mais j'y crois pas là. Je n'y crois pas. Je suis mort à cause d'une mauvaise manip. Non, on va pas s'énerver. On va rester calme. Donc dans ce jeu, en fait, toutes les tours radio se montent d'une façon différemment. Vous pouvez galérer, des fois vous avez un escalier qui monte, et puis des fois vous avez pas d'escalier. Alors je crois que la première elle est assez simple à monter, pour déverrouiller la tour radio que votre ennemi vase, mais pour... Mais j'y crois pas là. Je monte sur le truc blanc et... Voilà, bon, bref. Normalement, quand vous montez sur le... Bah, dessus, en gros, vous avez, c'est un... Comment expliquer ça? Vous avez un boîtier que vous allez voir qu'il faut détruire, parce que votre ennemi, là, Vase, il fait du trafic d'armes et tout, et il utilise ses brouilleurs. Alors, les rakiats, évidemment, ils vont pas y toucher, parce que eux, ils en ont rien à faire, ça leur sert strictement à rien. Et il n'y a que vous que ça dérange. Parce que vous ne pouvez pas voir votre map et vous ne savez pas où se trouvent vos amis. Comment tu montes là? Oui. Alors des fois vous avez ça qui est bizarre, vous avez des mecs sur une tour radio. Ah, je crois savoir comment il est mort. Quand vous tombez sur des mecs qui sont déjà morts. Aïe 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 aïe. Comment con. Et qui sont avec des seringues pas inutilisables, mais tu sais, vous savez, enfin vous me comprenez, des seringues usagées, vous pouvez être sûr de savoir qu'est-ce qu'il a fait lui avant. Il s'est piqué ou alors il s'est mis une bonne dose de. Et comment je meurs encore ce coup-ci? Bon, bref. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Enfin, entendu, il n'y a pas grand chose de... Bon, on va peut-être réussir à la monter, cette tour. Alors, vous avez des tours, des fois, c'est super simple. Vous mettez quoi, 10 secondes. Et vous avez des tours, comme celle-là, où vous mettez 10 ans à comprendre qu'il faut passer sur une corde blanche, qui se trouve des fois à l'autre bout, qu'il faut faire 10 sauts avant d'arriver à la fin. Et puis, des fois, ils sont sympas, ils vous mettent deux chemins différents. Non, mais je vous disais bien, je l'avais déjà monté, celle-là. Regardez-moi ça, ils m'ont remis là. Oui, là. Alors qu'on était là. Vous savez quoi? La tour radio, je vais pas la libérer. Ça me casse les couilles. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Ça m'énerve, mais c'est impossible des fois. Et puis maintenant, je suis monté pour rien. Parce que je viens de me rendre compte que maintenant, je me dis, tiens, mais c'est là, j'ai l'impression que je l'ai déjà monté. Bon. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo comment on fait ça, ou alors je le ferai jamais. Là on va aller encore libérer un camp pour me faire pardonner. Parce que des camps dans ce jeu là c'est pas ce qui manque, hein. Vous pouvez les repérer depuis le ciel. Parce qu'il y a de la fumée. Alors là de nuit ça va être encore plus drôle. Vous allez peut-être vous taper une barre. Animation. Je me casse un doigt. Non, encore mauvaise touche. Je confonds toujours start et select. Confection. Tac. Alors là. Il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un. C'est une tête, c'est tout.
Ça avait quoi? Quand je vois ça des fois. J'en ai plein le cul de ces rebelles de merde. Oh mon dieu, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Ah non, ça va, c'est lui. T'as pas eu le temps. On désactive l'alarme. Oh le... Tiens, ta gueule. C'était un peu bouillant. Un peu chaud. Un petit peu chaud, c'était pas prévu du tout ça. Et là je viens de me rendre compte que je suis en train de crever. Je me soigne. Peut-être récupérer un peu mes flèches parce que je sais pas, j'ai l'impression d'en avoir tiré un peu partout. Sur je sais pas combien de mecs. Nouveau magasin automatisé. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter étant donné que j'ai trop d'argent. Hein. Bon, des fois vous avez des boîtes à trouver. C'est pas logique, c'est... Si le camp est là, la porte devrait être là. Devrait pas être. On a l'avant-poste. Et puis des fois vous avez des cages. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la cage. Oui, le gros triso qui se bat au couteau contre un léopard. Alors qu'il a un arc. Oui. Oui, je sais. Je vais pas récupérer ce qu'ils ont, ça me saoule. Je vais faire ça. Oh, les ordinateurs, ça c'est important. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre d'inutile? Un collier de crâne, des plaques d'identification, de la bouffe pour chien. Perso, j'ai un chien, mais avoir de la vraie nourriture, je voudrais bien pour lui, parce que là, la nourriture par PS3, ouais. J'aimerais pas savoir. Dégagez ces pirates. Citra l'a promis. Alors, c'est quoi la mission qu'elle a là? Juste pour savoir. Des léopards ont tué la femme d'un villageois. Bien sûr, je vais me faire chier à le faire. Bon, la vidéo fait quasiment 45 minutes à tout casser, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire au revoir. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Far Cry 3. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez cette vidéo, parlez-en à vos amis, mettez-la sur Facebook ou sur Twitter, faites tout ce que vous voulez avec. Hein. Moi ça me fait plaisir et je vous dis à bientôt, à la prochaine.